Voltaire écrit dans son livre Zadig ou la destinée en 1747, le roi avait perdu son premier ministre. Il choisit Zadig pour remplir cette place. C'est de lui que les nations tiennent ce grand principe qu'il vaut mieux hasarder de sauver 10 coupables que de condamner un innocent. Si Voltaire s'est battu toute sa vie contre l'injustice et les abus du système judiciaire, Entretien 2000 à travers l'émission Droit au quotidien ne cesse pas de rappeler à la population haïtienne ses droits et ses devoirs les plus entiers. De culture, nos sujets sont toujours alléchants, mais très instructifs. Et celui d'aujourd'hui n'est pas une exception à cette règle. Amis internautes, Entretien 2000, bonjour, bonsoir. Bienvenue chez vous. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est la présomption d'innocence au regard du droit haïtien. Cette émission est possible grâce à nos partenaires, la Défense Cabinet d'Avocats, Mangli Productions, Kikote Haïti. Encore sans nos infatigables techniciens, Stanley Merville, vidéographe Sébastien Petit pour le cadrage, production Luzius Emilien et moi, François Jean, pour la présentation. Ne bougez pas, on vous revient après la pause. De retour après la pause, mesdames, messieurs, comme je vous l'avais annoncé, nous allons parler aujourd'hui de présomption d'innocence. Présomption d'innocence dans qui s'allie, internaute Entretien 2000, c'est un principe dans le droit pénal général qui dit que même si on suspecte un monde commet un crime, il est innocent jusqu'à ce qu'un juge décide sous sol. Même si on kembe moun nan la main dans le sac, j'ai dit ça, c'est-à-dire en flagrant délit, moun nan li présumé innocent jusqu'à ce que un juge décide sous son monde. Par exemple, là, où chita la caillou, et puis il y a un individu qui vient, qui l'ouvre pour la caillou, et puis il prend un objet, par exemple, il prend la télévision, et puis il sort avec elle, il aller avec elle. Ou pas qu'à dire que volé, ça, c'est un présumé innocent jusqu'à ce que vous prouvez que c'était un vol qui était fait. Parce que le vol a pour définition la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Si tout élément infraction n'est pas respecté, ou pas dire que non, c'est un volé, c'est un juge. Après, vous finissez et brûlez toute étape dans la procédure. Là, c'est là que vous avez condamné les gens pour vol. C'est là que vous avez dit que c'est un voleur. Mais tout le monde est devant le juge. Là. Et même si le premier juge là, t'a rendu une décision, si, et tout le monde. Moun nan ka fè apel, moun nan ka le fè apel. Deuxième nan, moun nan ka fè un pourvoi en cassation. C'est-à-dire que tout temps affaire là pour que ça touche ça relé autorité de la chose souverainement jugée, moun nan présumé innocent. C'est ça la présomption d'innocence. Dans l'article 11 là, il a précisé que tout monde présumé innocent. OK? Et nous pral joindre encore dans l'article 14-2. Pacte relatif aux droits civils et politiques là et principe ça tout pour être garanti par la Constitution haïtienne de 1987 qui a amendé le 9 mai 2011 parce que dans section liberté individuelle là surtout il y a plus parlé de présomption d'innocence. Par exemple, si nous regardons dans l'article 24-27-1 dans la Constitution haïtienne de 1987 là, il y a parlé de présomption d'innocence. Présomption d'innocence ça c'est principe qui est plus important dans la procédure pénale. Son principe général dans Santé Carlé, le droit de la défense. C'est la garantie du droit de la défense. Guéon pense qu'il dit quand l'innocence d'un citoyen n'est pas présumée, la liberté ne l'est pas non plus. Ça veut dire que ça. Si depuis en lagan, ou dit moun sa coupable, eh bien, liberté là menacée. Citation ça témoigne important statut innocent avec lien étroit lié avec liberté. OK, parce que ça dépend de liberté moun. On prend quelques exemples. Par exemple, le principe de la présomption d'innocence face aux médias, surtout en Haïti. Et nous songe et il y a une émission qui était faite qui était parée en 2005 avec la PNH, la police nationale d'Haïti, qui était relé allô la police. Jusqu'à présent, il est toujours là. Le était venu population t'a battu bravo parce que allô la police t'a aidé moun et démasquer bandi. Oui. En vrai, oui. Mais pour nous, les professionnels du droit, émission Allô la police, c'est une violation flagrante du principe de la présomption d'innocence. Parce que
ou pas qu'à fin arrêter un monde ou passer devant caméra ou dit mes voleurs ou arrêter mes bandits ou arrêter mes kidnappeurs ou arrêter parce que le policier n'a pas ce droit. Le policier n'a pas le droit de qualifier l'infraction. Le policier n'a pas le droit de dire qui est coupable, qui est innocent. Ça, ce n'est pas un rôle policier. Le policier, c'est l'auxiliaire de la justice. Il vient pour arrêter. Et pour un policier arrêter un monde, il faut qu'il ait un mandat dans le mail. Et s'il n'a pas un mandat, il faut qu'il joue un monde en flagrant délit. Parce qu'il y a seulement deux façons pour arrêter un monde. Un, en flagrant délit. Deux, il faut qu'on ait un mandat dans mes. Ça veut dire que lorsqu'un policier finit arrêter un suspect, par exemple, nous connaissons ça, ça arrive là parce qu'on l'aide, parce qu'on a Dieu dans tête tout, il y a tout semblé avec voler. Surtout là, les prisons sont écrasées, nous ne connaissons pas de blagues qu'on a fait sur Internet là. C'est que dès pour l'aide, il faut marcher avec pièce. Là, non seulement c'est une discrimination, et plutôt c'est une violation du droit à la présomption d'innocence. Ce n'est pas parce que mon l'aide qui fait le coupable. Ce n'est pas parce que mon avez Dieu dans la tête qui fait le coupable. Ok? Maintenant, la police, qu'on a fait à l'image, et puis vous arrêtez le monde parce que les gens ont dans les oreilles. Ça, c'est une violation flagrante du droit à la présomption d'innocence. Et puis vous pouvez passer mon nom devant la caméra pour dire comme ça, mais mon avez arrêté. Pourtant, au nom du droit de la défense, au nom du droit de la présomption d'innocence, l'heure où arrêter le monde ou pas, ou doit barrer le visage. L'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui ça le dit? Il dit que tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Tout le monde est suspect qui a commis une infraction dès le départ, les présumés innocents. Maintenant, il revient au commissaire du gouvernement pour prouver que c'est coupable. Parce que dans une affaire pénale, le commissaire du gouvernement, c'est la partie principale. C'est à lui de prouver la culpabilité de la personne. Parce que on dit toujours, la charge incombe au demandeur. Si vous dites me faire un bagage, c'est vous-même pour qui prouver me faire. Parce que c'est ça qui fait que yo toujours dit que avocat ou bien menti ou bien avocat ou si volé, ce n'est pas vrai. Sous accusé mounan de yon infraction, soit de vol, de viol, etc. Maintenant, c'est vous-même qui accusé mounan, c'est vous-même pour qui vienne avec preuve que mounan coupable. Parce que si vous pas venez avec preuve que mounan coupable, parce que le droit n'est pas la morale. Ou pas, même si mounan t'a déclaré, il fait aveu, bien que vous dit l'aveu, c'est la reine des preuves. Même si mounan t'a fait déclaration, dit que vous m'avez fait le vrai. Mais tout en partie adverse. Tout en est parti et poursuivant n'a pas qu'à prouver que mon nom commet infraction en vrai, mon nom est innocent. Ok, dans l'article 11 de la Déclaration universelle là, et qui ça vous dit? Vous dites toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux. Et il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. Dans l'article, il y a deux principes fondamentaux dans le droit pénal qui gagnent. D'abord, il dit que depuis où arrêter un monde, il est innocent jusqu'à ce qu'il fasse lumière sur sa mon affaire. Ça, c'est le principe de la présomption d'innocence. Deuxième principe, c'est le principe d'une non-rétroactivité de la loi. Ça veut dire que ça. Ouais, dans le texte, il dit que vous ne pouvez pas punir un monde pour un bagage que la loi n'a pas interdit. Deuxième bagage, là, vous ne pouvez pas punir un monde pour un bagage qui est fait pendant que la loi n'a pas codé en rien sous lui. Mesdames, Messieurs, n'oubliez pas que vous suivez Entretien 2000 à l'heure de l'émission Droit au quotidien. Je vous dis à nous parler de un principe général dans le droit pénal qui c'est la présomption d'innocence. Ça n'a pas dit là et ce n'est pas une ode à l'impunité. Ce n'est pas parce que nous avons fait promotion pour impunité, mais c'est un appel à la résistance contre l'arbitraire. Parce que moi-même, et qui parle avec nous là, moi écris mémoire de sortie, moi sous présomption d'innocence. Ok? Et même si nous avons fait combat contre la corruption, contre l'abus sexuel et contre le kidnapping, c'est important pour nous faire et promotion pour le respect du droit à la présomption d'innocence. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en prison
qui peut qu'au jamais passer devant juge naturel. Sous ça, et m'a cité un grand avocat dans pays qui s'est mettre Nathan Laguerre et qui dit que lutte pour nous mener contre présomption et pour présomption d'innocence, ce n'est pas une lutte pour nous faire promotion pour impunité, mais c'est une lutte pour nous faire respecter le droit de l'homme, qui c'est un droit fondamental, le droit à la présomption d'innocence, c'est un droit fondamental, surtout dans le droit pénal, c'est un principe général. L'important pour l'autorité judiciaire et policière, qu'on est, lorsqu'on arrête un monde, li pas coupable. Moun sa c'est un présumé innocent. Parce que ça arrive, yo arrêté moun nan, ça arrive li coupable, ça arrive li pas coupable. Maintenant, c'est au juge de décider. C'est après décision juge nan, ou pral konnen est-ce que moun sa t'est coupable? Est-ce que moun sa t'est innocent? Pour les avocats et les défenseurs des droits humains, c'est pas menti yo a fait, mais tout le monde gagne ça que le droit à la défense. Même si toute bande nous t'a déjà parlé de yo en Haïti là. Jusqu'à présent, ce sont des présumés innocents. C'est ça qui fait que nous avons leur parlé de dans la presse et journalistes ont dit ce sont des présumés bandits. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas de preuve que ces bandits parce que au nom du principe du droit à la présomption d'innocence et tout le monde présumé innocent jusqu'à ce qu'un juge décide ce sort. À la prochaine.